Je m'appelle Daniel Dugès, je suis professeur à plastique et il y a très longtemps que je viens dans ces lieux parce que je suis attiré par leur histoire. Ces lieux ont beaucoup changé. Aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a des pins. Autrefois, il y avait beaucoup d'herbes, c'était des pâturages. On ne sait pas pourquoi les pins ont poussé, on se croirait dans une forêt des Landes. Mais je vais vous faire découvrir ce lieu, suivez-moi, il y a encore beaucoup de choses intéressantes à voir. Amené ici parce que ce point a une importance extraordinaire dans l'histoire de Rennes-les-Bains et aussi dans l'histoire de Rennes le Château. Il y a plus de 100 ans, un prêtre, le curé de Rennes le Château, de Rennes-les-Bains, que nous dominons, ce prêtre a écrit un livre assez extraordinaire qui s'appelle La vraie langue celtique ou le Cromlech de Rennes-les-Bains. Dans une première partie, il fait toute une explication sur la langue des peuples qui peuplaient ces régions du temps des Gaulois. Et dans une deuxième partie, il nous décrit un cromlech, c'est-à-dire un cercle de pierre tel que le faisaient les Celtes. Or, ce cercle de pierre, bien sûr, n'existe pas réellement. Mais en réalité, si on suit l'explication de l'abbé Boudet, on se rend compte qu'elle est très précise et que toutes les pierres qu'il décrit sont en place. Donc le cromlech de l'abbé Boudet s'étend devant nous, ici, dans cette zone. Toutes ces montagnes, il les nomme les unes après les autres, et il nous fait faire le tour de ce cromlech. Et il a une précision, il dit que ce cromlech fait 16 à 18 km de tour. Si on additionne ces deux chiffres, 16, 18, on obtient 1,618, qui est le nombre d'or. Donc il n'a certainement pas donné ces deux chiffres au hasard. D'ailleurs, on ne peut pas donner une mesure en disant 16 ou. Il faut bien qu'il y ait une autre raison. Donc je vous ai amené ici, cet endroit s'appelle, d'après l'abbé Boudet, le Cap de l'Homme. Parce qu'il y aurait eu un menhir, et le haut de ce menhir serait sculpté et représenterait, d'après l'abbé Boudet, la tête de Jésus-Christ. En réalité, ce menhir se trouve toujours à Rennes-les-Bains, et cette tête est très effacée, et elle représente plutôt une divinité romaine qui devait être une divinité de la nature. Donc, dans son livre, La vraie langue celtique, l'abbé Boudet précise que c'est la tête de Jésus-Christ, le Fils de l'homme par excellence, Filius hominis. Pour ma part, j'ai fait beaucoup de travaux sur Rennes le Château, et dans l'église de Rennes le Château, il y a un chemin de croix. J'ai découvert que ce chemin de croix, les 14 stations de ce chemin de croix, représentaient 14 points situés ici, dans le cromlech de Rennes-les-Bains. Et là, en étant au Cap de l'Homme, je vais vous expliquer pourquoi cette station est la 6e station du chemin de croix de Rennes-le-Château. Dans cette 6e station, on voit Véronique, Sainte Véronique, en train de poser un voile sur le visage de Jésus, et la tête de Jésus reste imprimée sur ce voile. Bien sûr, c'est une légende un peu tardive, mais cette tête qui reste imprimée sur le voile, c'est le visage de Jésus, et comme le dit l'abbé Boudet en insistant, c'est le visage du Fils de l'homme, donc